bonjour, bienvenue à tous à la ferme pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va vous faire découvrir le Kama Connect Plus, un outil indispensable pour les bricoleurs de kick que nous sommes. Le Kama Connect Plus par site, c'est l'adaptateur universel pour pouvoir brancher à peu près tout ce qu'on veut à son ordinateur en USB 2. Dans la boîte, on trouve premièrement un adaptateur, secteur, avec ce qu'il faut pour le relier à votre prise de courant. Ensuite, on a un adaptateur qui permet d'alimenter tout ce qui est en Molex, que l'on reliera au Kama Plus. On a ensuite le câble USB qui permet de relier le Kama Connect à votre ordinateur. Et enfin, l'objet de tous les délits, le Kama Connect lui-même avec son petit interrupteur, ses petites diodes d'activité bleues et ses nombreux connecteurs et dispositifs. Alors, sur cette face, on trouve les différents lecteurs de cartes. Bon, il y a un nombre de formats absolument incalculable. Vous pourrez absolument tout lire, de la Compact Flash à la micro SD, SD classique, mémoristique, mémoristique duo, mémoristique pro, micro SD, je crois qu'on l'a déjà dit, mais aussi les disques durs en 2,5 pouces, ici même, également les disques durs 3,5 pouces SATA, mais encore les disques durs 3,5 pouces en IDE, d'où le petit adaptateur avec la Molex. Et enfin, dernière partie, des clés USB additionnelles, si on a envie. Voilà, donc ça vous permet vraiment de pouvoir relier tout ce que vous voulez à votre ordinateur. Le tout se branche en USB à votre ordinateur et il faudra lui apporter du courant uniquement si on veut utiliser des disques durs. Si c'est dans le cadre des clés USB, ici, ici, ou du lecteur de carte qui se trouve par là, vous n'avez pas besoin de brancher le tout à un ordinateur. Un accessoire qui semble donc vraiment complet. Vous aurez notre avis définitif sur la chose prochainement dans un article. Au revoir, à bientôt.